drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Ronnie, drépanocytaire, vient au CHU pour son bilan annuel. Il est accompagné par sa maman, Marie-France. C'est important puisque ça permet de suivre l'évolution déjà de la maladie et de savoir si tout se passe bien. Le bilan d'un drépanocytaire est lourd et fatigant. À jeun, Ronnie va passer de nombreux examens toute la matinée pour vérifier que ses organes fonctionnent bien. Bonjour Ronnie. Bonjour. Ça va ? La drépanocytose, c'est une maladie du sang et se caractérise par des crises où de temps en temps, le sang se coince dans les vaisseaux. Le bilan qu'on fait comme ça tous les ans sert à chercher les complications chroniques, c'est-à-dire des défaillances qui peuvent apparaître au fil du temps des différents organes dans le corps. Donc, c'est un bilan quand même très chargé pour vérifier que le corps fonctionne bien, pour prévenir des complications graves et mettre en route très tôt, s'il y a lieu, des traitements préventifs. Expire. La prise de sang permet de vérifier les différents paramètres de l'hémoglobine et en particulier l'anémie. L'exploration du sang des patients sert aussi à contrôler le bon fonctionnement du foie et des reins. On met le garrot qui te sert tant. Ah, quel soulagement! L'échographie abdominale recherche principalement les calculs au niveau de la vésicule. Elle permet aussi l'observation de la morphologie des reins, du foie et de la rate. Le bilan annuel d'un drépanocytaire comprend un examen ophtalmologique, radiologique, ORL, ainsi qu'une exploration fonctionnelle respiratoire. Tu vas presser le nez avec la main, et quand je te dirai souffler, tu pousses l'air en une seule fois pendant longtemps. D'accord ? Respire normalement. Prends de l'air, monte et pousse fort. Pousse. Allez, encore, vas-y. Aspire. Et relâche. Prends de l'air, monte et pousse. Vas-y, encore. Aspire. Et relâche. Super. Bye bye, l'année prochaine. Les drépanocytaires doivent impérativement faire le bilan annuel. Il est indispensable pour adapter leur traitement et surtout prévenir les complications.